Le 23 décembre 1588 eut lieu l'assassinat du duc de Guise. Cet événement eut lieu dans le cadre des guerres de religion, qui en France et en Europe opposaient les catholiques et les protestants. Mais celles-ci vont également créer des tensions au sein des catholiques, puisque du coup ils vont être divisés entre ceux qui étaient plutôt modérés et partisans d'une entente avec les protestants, et les ultra-catholiques, intransigeants et à fond dans la guerre. Le roi Henri III était plutôt du coup sur une ligne modérée à ce moment-là, son héritier, le futur Henri IV, était un protestant, de son côté, le duc François de Guise était un ultra-catholique, et son héritier, Henri de Guise, va être aussi un ultra-catholique, et donc considérer que le roi est trop indulgent, et donc va s'opposer à lui. Ce qui va finalement conduire Henri III à éliminer ce rival trop agité et qui lui faisait de l'ombre. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, publication sur la page Facebook Histoire d'apprendre.